Oh, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce 30e épisode sur Dex. Ma foi, un jeu assez long, hein, quand même. Je pense qu'il faut se le dire parce que 30 épisodes là-dessus, j'avoue, pas mal du tout pour un petit jeu qui est censé être sans prétention, hein. Alors, niveau de recherche, on va aller faire ça. Donc, nous sommes toujours dans Redwood Watts. Et pour commencer, un petit tour d'horizon avec le truc de hacking. Nanana. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Ici non plus. Ok. Je sais pas trop à quoi ça sert de passer là dans une conduite ventile. Parce qu'il y a personne. Il y a même pas de système de sécurité. Ah ok, ça servait à ça. Bah au moins, on n'aura pas fait ça pour rien. Munitions pistolet laser? What? Attends, une seconde. Une seconde. D'accord, ça se referme au bout d'un moment. Ok. Pistolet laser? What? What? Ok, oui, j'équipe. Bien sûr que je vais équiper. Comment je fais déjà pour changer d'arme? Comme ça. Ok. Bon ben j'ai un motherfucking pistolet laser quoi. Hey. Hello. I'm sorry. I don't believe we've met. Good day, friend. Likewise. Look, I'm terribly sorry, and I don't mean to be rude, but visitors are generally not permitted here. This is a high security facility, you understand. Ian, could you check our friend here is not lost? Clearance database check. Our friend does not appear on any of the authorized personnel lists, but I do not believe she is lost, Ellie. Vous appelez le robot Lane? What I call my assistant is of no importance. Right now, I would like to know who you are and what you are doing here. C'est pas grave, je vais y Well, aller. if you'd be awfully kind and just wait for me to call security first. Ian, please. Ah ouais, comme ça. Aïe, 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 aïe. Vas-y, relève-toi pour voir. Level up, mec! Et sans utiliser le pistolet laser? Bam! Qui c'est le patron? J'ai 4 points de talent, mais qu'est-ce que je vais foutre de tout ça? Arme à feu, annule le recul de votre. Augmente votre précision, 30% sur 3 points de talent. Ok. Je pourrais attendre le cinquième point, histoire de voir si je peux encore améliorer l'endurance. Quoique, hein, au final, je me sers énormément du corps à corps. Oh, ça serait
péter aussi. On va prendre le corps à corps. Voilà. J'ai gagné. J'ai entendu dire que toi et tes hommes aviez arrêté des intrus la nuit dernière. Bon travail. Je me demandais pourquoi on avait besoin d'une telle sécurité, mais je commence à réaliser que vous êtes vraiment nécessaire. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi autant de gens s'acharnent à essayer de pénétrer dans une installation comme la nôtre. Enfin, continuez comme ça. Je suis contente de pouvoir me sortir en sécurité au travail, et c'est grâce à vous. Salut Eli, pas de problème. C'est mon boulot de surveiller tout ça, et si tu veux tout savoir, la plupart des types qu'on attrape sont soit des abrutis de voyous qui ont perdu un pari et essayent d'impressionner leur porte, soit des drogués qui pensent pouvoir voler notre matériel de recherche pour se faire de l'argent facile. Ça reste des individus pas très stables dans l'ensemble, donc si tu en rencontres un, cours et déclenche l'alarme, j'arriverai sur le champ. Oh my... Please, take the keycard. There's no need to hurt anyone. Ok. Merci. À la prochaine. On s'appelle, on se fait une bouffe, hein. J'ai gagné. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Bon bah ouais. Par là. Et du coup je peux y aller par là ou pas? Ah, attends une seconde. Je me demande si... Hop. Je suis invisible. Aïe. Alors ? On se croit malin ? Aïe. Oh, l'autre enculé, il va me tuer. Hihi. Hihi. Et je régénère ma vie. Ce cheat legit. Attends, si ça se trouve, je peux atterrir dans son dos, sortir le flingue laser et le cramer au 28e degré. Bah. Ouais. C'est même pas défendu. C'est trop drôle. Mais merde. Ça suffit de spammer les coups de pied là. Et voilà. Gagné. Bon, c'est violent quand même, hein, le flingue. Bon, petit tour d'horizon, est-ce qu'il y a du monde? Bonjour, non, il n'y a personne, je peux hacker ce truc-là. Non, je peux pas ouvrir les chiottes. Ah, super! Attends, je vais utiliser ça. Donc ils sont tous les deux là, les trucs. Et ça me donne quoi d'aller par là? Rien du tout. Préservatif, génial. Super. Exactement ce que je voulais. D'accord, là il y a un trou noir. Okay, c'est le tir en cloche. En soi, ils me font pas peur.
Faut que je prenne le spam là, c'est le mieux. Je vais reprendre l'arc à impulsion. Ok, dégage. Putain, c'est bien protégé, hein. Je suis pas la moitié d'un débile. Là, d'accord. Si je vais par là, ça va où? Il y a cette tourelle qui va m'emmerder. Ah! J'ai raté mon coup. Donc, déjà, cette tourelle, elle me fera pas chier. Il y a un truc qui va pas là. Hop, je prends ça et ça. Je diffuse l'identité de Crash. Ah ah ah. Je fais de la merde. Crash, je comprends parfaitement vos réticences au sujet du prototype d'arme dans le labo, mais je peux vous assurer qu'il est tout à fait sûr, il est protégé par du verre renforcé indestructible et la serrure électronique ne peut pas être opérée que par un nombre limité d'employés. D'urgence, il existe un système auxiliaire dans le conduit d'aération au-dessus, oui, bah ça on l'a vu, il y a un minuteur intégré et la vitrine ne reste ouverte qu'une poignée de secondes après l'activation afin qu'une personne seule ne puisse pas y accéder. Vous voyez, vous n'avez aucune inquiétude à avoir, ce pistolet ne sortira pas de sa cage avant d'être prêt, faites-moi confiance. Enfin voilà quoi. Mais c'était sans compter l'intervention d'un hacker hors pair. Évidemment. Alors ça c'est à moi aussi. Ok. Ça risque d'être relou. Saleté de tourelle. Voilà. J'ai eu la tourelle. Là, il y en a une autre. Bon, là, elle peut pas m'avoir. Bien réussir à faire quelque chose. Ça va. C'est la maîtrise. Nickel. Ok.
presque plus de concentration. C'est ça que je voulais aller par là. Oui. Et ça pirate, hein. Ça pirate. Ah ah ah. Fuck. Le spam. Dégage. L'arc à impulsion. Parfait. Jusqu'à présent, tout se passe pas trop mal. Na, ne, ne, ne. J'ai paniqué. Fonctionne pas trop mal jusqu'à présent. C'est bien protégé ici, hein. Par contre, je suis content de mes prouesses. Ah, il va me tirer dessus à travers. Ah, culé de. Là, il y a de l'XP. Cette espèce de labyrinthe dégueulasse. Et voilà. Alors, je rappelle, hein, si je touche les barrières jaunes, là, je crève. Ça, c'est réglé. Bon, j'ai traversé pire que ça, mec. Là, tu peux plus me faire peur juste avec ça. Voilà. Donc là, pour moi, c'est quasiment inoffensif, hein, maintenant. Du fric. Je sais pas à quoi ça va me servir, en fait, du fric, parce que... Ah, mais j'ai atteint la fin. Cool. Je sais pas à quoi ça va me servir, du fric, au final, parce que... Je veux dire... Ben voilà, quoi... J'ai un tout petit peu... Ok. Il y a un mec là-haut. Mais comment est-ce qu'on l'atteint? Ah, par là. Ou pas. Pistolet EMP. Là, il y a un medkit. D'accord, effectivement, on l'atteint par ici, le mec. Ok, bah easy peasy. Merci, au revoir. Alors David, j'ai un petit problème. J'ai de plus en plus de mal à répondre aux questions de mon département sur ce qu'il adviendra des employés après le développement de GSV2. Ils ont une raison d'être inquiets et certains d'entre eux pensent que je leur cache quelque chose. Le plus gros problème est qu'ils pensent bien sûr qu'il y aura des réductions d'effectifs une fois qu'ils auront terminé le travail. Nous pourrions réellement perdre certains de nos meilleurs employés si nous ne faisons pas plus attention. David, je sais que deux d'entre eux sont déjà en train de rechercher d'autres opportunités. Je comprends la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais nous ne pouvons tout simplement pas révéler nos plans d'après GSV2. Comme je l'ai déjà dit, c'est un cauchemar sécuritaire. Veuillez rassurer vos employés qu'ils conservent leur emploi après le développement, avec cependant quelques ajustements. Les RH s'adresseront à tout le monde individuellement tout de suite après. En attendant, laissez-moi réfléchir à d'autres façons de vous aider. Un golf demain matin. Très bien. Chers employés de Redwood Woods, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'un bonus spécial vacances sera accordé à tous les employés permanents de Redwood Woods cet été, un montant équivalent à 10% de votre salaire annuel le 1er juillet. Mitchell, je souhaiterais personnellement vous féliciter.
Je souhaiterais personnellement vous féliciter pour la façon dont votre régiment a appréhendé les intrus la semaine dernière. Excellent travail, vos hommes ont encore une fois démontré leur fiabilité et leur efficacité. Pour information, le corps a été identifié à un hacker indépendant soupçonné d'avoir des affiliations avec des organisations terroristes clandestines. Nous soupçonnons également Raycast, d'être derrière cette tentative d'infiltration. Laissez-moi réitérer mes remerciements pour votre bon travail. Mais restez sur vos gardes en cas de nouvelle tentative, il est envisageable que d'autres tentatives aient lieu dans un futur proche. Effectivement, je suis là. Bonjour. 200$. Flèche. Ah bah oui, je prends. Attends, ça va encore améliorer. 100$. Je sais pas à quoi ça va me servir le fric. Comme je le disais, hein, je suis pas vraiment sûr que ça soit très judicieux parce que... Je suis censé terminer le jeu, non? Non? En tout cas, la sécurité, je m'en suis occupé. Ils nous embêteront plus. Là, c'est fait, normalement, si je dis pas de conneries. Tout a été réglé. Là, c'est la partie abandonnée, c'est de là d'où on vient. Bah, il reste plus que par ici. Et on va s'arrêter là, les amis. Et je conserve ça pour un prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé ce 30e épisode sur Dex. Je vous dis rendez-vous à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sais-je encore. Plein de gros bisous et surtout hashtag amour viril. Oh yeah.